que vous allez bien? Ici, c'est Julien et Jordan qui retournent de vacances. Alors, ça a été vacances? Oui, très chouette. Est-ce que c'était aussi cool que ça? Est-ce que ça, c'était vacances en fait? Ouais, plus ou moins. Ta fille, ta femme, toi, et, les, et la vie. Timmy. Voilà. Et là, il y a James qui est en train de faire d'eau. Ouais. Voici du coup le diorama Iron Studio, à 10e version DX Disney. Franchement, magnifique. Super beau. Et déjà, quand ça a été annoncé, franchement, c'était un coup de cœur. Mais là, en vrai, c'est encore mieux. Et ça fait plaisir parce que. C'est pas Mickey, c'est pas les princesses, parce c'est pas le Roi Lion. Fait sur Vaiana. Royaume, bah, le Dio arrive, de ce que j'ai pu comprendre. Et j'ai vraiment hâte de voir jusqu'au point ils vont aller dans leur Dio, justement. C'est parce qu'il y a un moment donné où, en fait, tout va être merveilleux. Bah, en fait, c'est vraiment intéressant, mais j'ai pas beaucoup de place, c'est avoir un diorama de Disney à chaque fois pour faire, tu sais, un peu cette fraise Disney qui monte jusqu'à Peter Pan, Fantasia, etc. Mais après, bon, c'est 1000 balles à chaque fois le diorama, donc on attend 1000 balles. Voilà. Alors ici, du coup, vous êtes sur la version DX, la version régulière n'a pas ni le portique, ni Léo, ni quelques bonbonnes. Il est vraiment bah, juste les héros avec un petit socle qu'on n'a pas encore reçu. Pareil, celle-ci, c'est une avant-première. On a reçu d'un fournisseur, l'autre doit livrer prochainement, très vite, très rapidement. La régulière est à 320€, ici on est à 950€, donc franchement, propre. La différence de prix est justifiée et le prix, pour une fois, ça me choque moins 1000 balles. Que ça. Une tonne et c'est ça, ouais. Et puis ça me choque moins ça pour la, que la Belle la Bête. La Belle la Bête était. Cher, enfin, c'était le même prix, mais il y a mais maintenant, c'est une autre finition. Ici, quand on regarde, c'est plus lisse. Grossier et lisse, alors qu'il y avait la finition des verrières, il y avait la finition des roses, il y avait justement lumière et Big Ben. Là, il y avait beaucoup plus d'éléments qu'ici, parce qu'ici, c'est de gros bonhommes. Quoi. Donc, forcément, ça prend plus de place sur le socle et qui fait que le socle est beaucoup plus gros. Commençons sur Sully, le fameux Sully qui est très beau. Ici, on est sur une statue très classique, puisqu'il est en train de faire coucou gentiment. On est sur un pelage super beau, les couleurs mauve bleutées sont très bien données. Il n'y a pas d'empâture, il n'y a pas de casse au niveau des poils. Le visage est parfait, même si c'est Iron Studio, bah, je trouve que c'est celui qui est un petit peu moins bien fait par rapport aux autres. Tout petit peu. Il est bien, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il ressemble beaucoup aux jouets d'époque, en fait, justement. Les c'est jouets vrai. D'époque, je pense que j'en ai encore un, ils ressemblent exactement à ça. Ils ne sont pas fidèles à 100%, mais on y est presque. Non, on y est et ce presque qui est marrant, c'est le seul qui a ce problème-là. Parce que tous les autres étaient hyper fidèles, on peut le voir ici, c'est hyper accueilli. Mais par contre, lui, vu que c'est une grosse masse de fourrure, c'est plus compliqué. Et le monstre est très bien fait, proportionnellement il est vraiment parfait, il est super cool. À sa droite il y a Bob forcément, le petit Bob qui est appuyé avec sa casquette et son œil. Sur son œil on remarque qu'il y a quand même, je ne sais pas si c'est pas un défaut, mais on dirait qu'ils ont voulu faire un globe oculaire. Oui. Voilà. Mais c'est un stickers, je pense que c'est le stickers qui a un tout petit peu plié. Mais sinon le reste de la résine est cool, c'est petit, mais bref, mais intense. Ça chouette. Franchement, nickel, il y a la patine qu'il faut et ce qui est marrant, c'est qu'il y a même le même travail que sur les peaux humaines. Vous avez un premier dégradé qui est en dessous avec justement tous ces petits points. Et puis ensuite vous avez ce vert. Très bien fait par Iron Studio. C'est nickel. À droite, sur l'arrière, du coup, vous avez Po. C'est Po, ça s'appelle Bou, c'est ça, Bou. La petite humaine qui est kidnappée dans le monde des monstres. Hyper fidèle. Elle est parfaite. Son visage avec ses bonnes grosses joues, ce sourire, ses yeux, parfait. Et le costume, nickel. Bah, je trouve qu'elle a la même tronche d'animation. Tu sais, comme tu as dit, quand tu regardes Andy et Sid, ils ont légèrement un peu rétro, on dirait des bah, c'est. Plus ou moins la même période, donc 98, j'ai en tête Toy Story. Et là, on est en 2001, 2002, j'ai en tête. Moi. C'est sûr, ouais. Mais alors, c'est sûr à l'époque de VHS. Ouais, je t'en au moins à 2000, ouais, c'est vrai. Ah. Mais, eh bien, parce qu'on reconnaît cette animation un petit peu 3D flippante, légèrement. À l'époque, ça choquait pas à notre âge, mais maintenant, tu la regardes, tu te fais, ouais, il y a un petit côté un peu 3D bizarre, voilà. Mais elle est super cool, elle est appuyée sur son épaule, donnant vraiment ce côté aventure, ce côté shippeuse qu'elle aime bien se cacher, se passer à droite et à gauche. Et ensuite, derrière, vous avez tout le diorama qui fait la force de l'action DX avec la fameuse porte qui permet de rentrer dans la chambre des enfants, avec les capsules de peur, avec les câbles qui sont reliés un peu partout, et surtout la porte. Alors, qui est bien faite, oui, je trouve juste que ça a été un peu peint, basiquement. Tu vois ce que je veux dire, regarde là. Ça a été peint, mais voilà. Pas de broche pour la porte, même si bon, c'est une porte d'enfant, elle, c'est pas une vieille porte de film d'horreur. Mais maintenant, elle est actuelle par rapport à ce qu'on voit dans le dessin animé. Ouais, c'est vrai, ouais. Je veux dire, l'animation était propre pour l'époque, c'était une claque. Maintenant, quand tu regardes, tu te fais, ouais, maintenant ils font mieux. Surtout quand tu vois Monstres et Compagnie 2 ou même la série d'animation. Maintenant, elle est vu comme vice-versa. Les visuels sont extraordinaires. Mais toute l'armature est vraiment cool. Elle reprend vraiment ce côté clapant de porte et ouverture de porte. C'est vraiment génial. À l'arrière, vous avez encore ces capsules de peur qui sont aimantées. Très très belles. En plus, c'est qu'elle a un maximum scream capacity. Ouais, excellent. Donc, ils ont vraiment qui étaient en détail. Là, par contre, c'est broché, un peu allumé comme quand le métal frotte et est utilisé régulièrement pour les pincher, franchement c'est extraordinaire. Et puis on finit sur un des méchants du film, Léo, mémoire il s'appelle, c'est Léo. C'est pas Léon. Léon. J'ai en tête Léon. On va appeler Léon le caméléon et ils ont voulu faire un jeu de mots. Ben, monsieur L, voilà.
Ce qui est cool, c'est que malgré que Diorama se regarde de face et qu'on ne voit pas l'arrière, ils ont travaillé tout un travail, enfin un travail très exploité sur le caméléon, et surtout qu'ils sont invisibles. Donc ça veut dire qu'ici vous avez tout le travail du translucide. Même pas remarqué sur le photo promotionnel, parce que le travail du translucide, propre, nickel, et ça a vraiment cet effet dégradé comme un caméléon qui est en train de se transformer. C'est ça, voilà. Et puis après vous avez toute la peau avec ses taches mauves, bleues, un petit peu rosâtres, etc., qui vont jusqu'à son visage, avec son regard bah, avide de peur, etc., et surtout. Je sais pas, il a vraiment une tête de méchant monstre, avec la langue qui dépasse, la grande mâchoire, etc. Mais il garde vraiment les mêmes traits que Pixar quand ils ont fait l'animé. C'est vraiment génial. On finit sur un socle très industriel, puisqu'on est sur une résine très lisse pour montrer le métal chez eux. Et puis les plaques, tout comme en tout cas tension, les usines, etc., où bah, forcément ils doivent pêcher. Des petits câblages qui viennent passer autour du socle, qui est vraiment propre parce que ça rappelle vraiment l'usine où ils travaillent. Et je vois pas mon début. C'est ça. En fait, elle est parfaite comme proposition. Pour moi, c'est une des meilleures sorties pour l'instant, niveau finition, niveau prix. Parce que la fantaisie est extraordinaire, mais très très grande. Il faut penser aux gens qui ont des places, etc. La Belle et la Bête est trop chère pour ce qu'elle était. Celle-là, elle me justifie mieux, malgré tout, etc. Parce qu'elle est très complète pour le prix. Et on rentre dans l'essentiel. Ouais. La Belle et la Bête, c'est vrai que c'est une danse. Mais là, il n'y a pas d'action. Mais en même temps, il y a tout. Il y a le bonheur, la camaraderie, la petite enfant, le méchant, la porte. Tout est là pour faire plaisir aux gens. Et franchement, pour moi, c'est sans faute. Elle n'a aucun problème de peinture, de finition. Le prix est bon pour une fois. Iron Studio, par contre, ne limite pas les exemplaires pour une fois, mais on sait très que c'est limité. Certainement ultra limité, parce qu'il y a moins en moins de fans de Disney qui vont dépenser autant pour une statue, mais ils dépenseront beaucoup plus sur l'année pour d'autres. C'est ça, voilà. Et toi, Joël, toi qui l'as commandé? À côté. Franchement, t'es magnifique. Elle est parfaite. Elle ira parfaitement là où elle doit aller. Et je suis surpris et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont donner. J'espère Hercule, mais bon, j'y crois moins en moins. Moi, j'y crois beaucoup parce que là, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup développé dans beaucoup de licences. Et surtout, même dans les licences connues, on commence à faire des trucs vraiment ouf. On va recevoir bientôt le rock qu'on va faire. On va recevoir le Vador qui tape au sol. Dire, on commence à récupérer. Maître d'univers avec les Unleash. Ouais. C'est magnifique. Il y a des exclus en plus aux États-Unis de. Quoi qu'il en soit, si elle vous intéresse, elle n'est pas dispo maintenant. Là, on est en train de livrer tous nos clients et on achète une document client. Bon, à part celle du jeu, mais je ne vais pas rester. On va recevoir du coup le réassort et le reste pour le stock en magasin d'ici les prochaines semaines, voire le mois prochain. Donc, si elle vous intéresse, elle sera commis en précommande sur le site, mais pour une sortie pour Noël. Donc, si elle vous intéresse, foncez, payez en 2-3 fois si possible ou appuyez d'un coup. Mais après, c'est fini. Elle est en rupture partout chez nos fournisseurs. Donc, les pièces qu'on reçoit, les pièces qu'on vous vend, finito. Et vous avez pu remarquer que c'est beaucoup plus le cas actuellement, des patchs différents. Il y a un premier patch qui s'est lu avant les fêtes, puis ensuite, c'est courant de l'année prochaine, ça peut être mars comme décembre 2025 malheureusement. C'est le cas pour Shitsume, c'est le cas maintenant pour Iron Studio, Sideshow, Prime One, Hot Toys, tout le monde. Donc du coup, vous voulez être livré vite, précommander le plus vite possible ou contactez-nous le plus vite possible pour essayer d'être livré dans les premiers dispatchs. Ici, Julien, vous avez fait une vidéo par rapport à la Bishoujou de Naruto en Reels. Ah ok, ouais. Ils espèrent pouvoir être livrés dans le premier patch, oui, mais de quantité, commence à devenir limite pour le premier patch. Donc, activez-vous en voilà, ce jour, on vous prévient comme d'habitude, etc. Eh bien, juste, c'était un plaisir de te retrouver en vidéo. Ça faisait bizarre de faire ça avec nos gros Kevin. Donc voilà, désolé pour les micros, j'ai oublié de les mettre. Donc du coup, c'est pas grave, vous aurez nos belles voix vintage, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un commentaire de vidéo. On est de plus en plus actifs, on a plein d'idées pour vous. C'était l'équipe de Twitch Respect TV, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.